Place du cinquantenaire, symbole de la victoire du peuple sur la dictature mauricienne. Lieu choisi par les militants du PPRD venus en masse afin de commémorer le 17 mai. Date mythique marquant la libération de tout un peuple suite à la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces démocratiques de libération AFDEL, dirigée par M. Laurent Désiré Kabila. 17 mai, pour la grande famille PPRD, n'a pas été seulement un moment pour se souvenir des hauts faits des héros nationaux, mais aussi un temps d'interpellation et de soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange, très engagé dans la reconstruction du pays. Henri Movasakadi, secrétaire général du PPRD, a invité les militants à la vigilance, à faire bloc pour étouffer dans l'œuf tout projet visant la déstabilisation du pays par les ennemis du peuple, qui, à longueur de journée, intoxiquent le peuple autour de l'article 70 de la Constitution de la République. Nous n'avons jamais accepté que notre peuple dans ce monde marche sur nos têtes. Si eux ont peur de leur opinion, la nôtre est là. Elles veulent le calme et la stabilité. La nôtre, cette opinion qui est là, veut un Congo dans la paix et la reconstruction. Et le maître d'œuvre, c'est Joseph Kabila. Des témoignages poignants étaient au rendez-vous. Tshikez Djemou et Fatou Madjouma ont vanté les qualités de celui qui fut les soldats du peuple. Mzee Laurent Désiré Kabila, visionnaire, patriote, courageux, au service de la nation congolaise, jusqu'au sacrifice suprême, ont-ils déclaré.